réveil les amis, enfin, elle accouche. Bref, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On se retrouve dans la suite du 100 Baby Challenge, comme d'habitude, les épisodes le mercredi et le vendredi à 17h30. Alors j'ai fait la petite intro, j'ai un petit peu joué, je vous avouerai un bon 3 minutes quand même, avant qu'elle se décide de commencer à accoucher. Et puis, bah du coup, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans son petit bidou. Moi j'ai hâte de savoir. J'ai hâte de savoir. Non, on va faire le bébé à la maison ou les bébés, on ne sait pas. On espère. On n'a pas eu de chance parce que bon, Pierre et Julien viennent de deux pères différents. Et bah, on n'a pas eu la chance d'avoir des jumeaux, des triplés pour un petit peu accélérer bah, le 100 Baby Challenge. Là, elle va dans la salle d'accouchement, on va appeler ça comme ça. Ok, bébé numéro 1. Oh, c'est joli ce qu'elle nous fait là. Et les... ouais, 1200 de droits d'auteur, pourquoi pas. Allez. À chaque fois, elle est en train de souffrir, la pauvre. Ça fait mal au cœur quand même de les voir comme ça. Ok, c'est un garçon, encore un garçon. Bah, mais bah, dis donc, elle nous fait que des garçons. Comment va-t-on l'appeler? On a Pierre, on a Julien, et là, on va l'appeler... J'ai envie de trouver un prénom qui serait, comme par exemple Julien, je voulais appeler Julien, Juliette, Julie, si c'était des jumeaux, des triplés, malheureusement on n'en a pas eu. Pour Pierre, je voulais appeler Pierre, feuille, ciseaux, on n'a pas eu non plus ni de jumeaux, ni de triplés. Et là j'ai envie de faire encore un jeu de mots, mais je me dis que si je me, si c'est un bébé unique, enfin un bébé, voilà, un enfant unique, enfin unique, il aura des frères et des sœurs, eh bien je vais encore me fail. Des jeux de mots. Ou bien fille-garçon, parce qu'après, si ça peut être une fille, des prenoms qui se... Voilà, par exemple, je sais pas, moi, il y a... là, d'habitude, j'ai plein d'idées, là, d'un coup, j'en ai pas. Par exemple, il y a Marie-Marion, si c'était des filles, mais pour un garçon... Oh là là, Olivia, Olivier. Ah bah tiens, on va l'appeler Olivier. Par contre, si c'est un autre garçon, j'aurais pas de jeu de mots. Olivier Sanchez. Et un autre garçon, Olivier. Olivier, Olive. Au pire, Olive. Il y a bien Olive et Tom. Ça existe comme prénom, non? Olive et Tom. Moi, je crois que c'est ça. Allez, Olive. Et bah écoutez, ce sera déjà pas mal puisque ce sont des jumeaux, Olivier et Olive. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur des jeux de mots, des jeux de prénoms que j'ai pu trouver jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, c'est des jumeaux, c'est déjà mieux que un seul bébé. Donc voilà, je suis assez contente quand même. Ah, elle va contempler à combien ça se vend, vendre un collectionneur. Allez, il est temps d'aller au pipi room 2 pour toi. Oh, mais tu viens de naître et tu pleures déjà. On va les nourrir. On va essayer de les nourrir genre l'un et l'autre en même temps. Comme ça, quand ils feront popo dans leur couche, ils le feront en même temps aussi. Go allaiter pour les deux. Et ensuite, tu pourras les manger. Tu pourras les prendre des restes. Quant à toi, vu que t'es confiante, bah juste après, écoute, ce sera pause pipi. Et... Ah, elle peut pas, pourquoi? Angela est beaucoup trop tendue, mais pourquoi? Quand la musique est terminée. Ah, bah pendant 2 heures, on va pas pouvoir faire quoi que ce soit juste parce que la musique est terminée, tu vas me dire. Ah oui, hein, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Hein. Au bout d'un moment, la radio, faut qu'elle s'éteigne. Hein. Bon, du coup, vu qu'elle veut rien faire, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Là, pendant 2 heures, on pourra rien lui demander. Encore pendant 1 heure, bon, ça va, encore 1 heure. Au pire, démerde-toi, hein, pendant 1 heure. Bon, ça va, elle a qu'à nettoyer, c'est vrai. Pourquoi pas, petit nettoyage. Il y a... pas grand chose à nettoyer non plus. Bon. C'est bon. Faire une toile confiante. Les toiles confiantes rapportent généralement pas mal d'argent. C'est assez cool. Et souvent, les chefs-d'œuvre, ça vient souvent des toiles confiantes. Après, peut-être parce que j'en fais beaucoup, donc j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui viennent de là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais finis de manger tes os, au moins. Après, va essuyer ça. Et on va essayer de lui demander, est-ce qu'elle a fini ses derniers livres? Oui, parce qu'on est passé... pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier épisode, on est passé à l'écriture.
D'ailleurs, est-ce qu'elle peut mettre quelque chose dans la boîte aux lettres? Elle peut toujours pas déposer de morceaux. Parce que ça ne rapporte définitivement pas assez d'argent, la musique. Ça ne rapporte pas assez d'argent. Les compositions ne rapportent pas assez d'argent. Peut-être que avec les pourboires, ce serait mieux. Mais vu qu'on l'a axé piano, hein, c'est un peu compliqué de sortir le piano et faire la musique dans la rue avec un piano pour des pourboires. Écrire, reprendre l'écriture. Ok. Ah, elle a fini. Vendre un collectionneur, ouais, ça a rapporté quand même un petit peu plus d'argent. Bon, c'est pas ouf, hein. Là, c'est pas ouf, mais comparé au tableau d'avant, bah, ça rapporte quand même 206 pouces de plus. Donc, je vais pas me plaindre à ce niveau-là. Et bientôt, les enfants vont rentrer. Alors, je rappelle, pour faire grandir les enfants, il faut minimum qu'ils aient un A à l'école, voilà. Et pareil pour les adolescents, un A à l'école pour les faire grandir. Là, vu qu'ils rentrent de l'école, ils ont un C. À la limite, après avoir fait leurs devoirs, ils ont... Oh, elle a pas un chef-d'œuvre, merci. Vendre une galerie d'art, oui. Pourquoi tu pleures? Tu as mangé il y a pas longtemps. Apaisé. C'est le week-end. Elle va faire une toile confiante. Alors, les enfants, ils sont rentrés. Est-ce qu'ils sont passés sur un B ou pas? Absolument pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire faire leurs devoirs et on va acheter des projets scolaires. On a maintenant assez d'argent pour accélérer la scolarité et leur... Ok, à la limite, repas équilibré, quelqu'un qui pouvait manger de la terre. Alors, manger de la terre n'est pas bon pour la santé. Si tu fais ça, on va se moquer de toi. Vas-y, c'est amusant de manger de la terre. Oh mon dieu, non, mais tu peux pas dire ça à ton enfant, c'est pas possible. Manger de la terre n'est pas bon pour la santé. Non, je veux dire, voilà, si tu fais ça, on va se moquer de toi. Quand je serai adulte, je vais être ninja. Commence à t'entraîner à te cacher, trouve une tenue de ninja. Et ça, c'est la première fois que je vois trouver un ninja pour t'entraîner. On va mettre trouve un ninja pour t'entraîner. C'est cool. Ok, alors, est-ce qu'il va faire ses devoirs? Oui. Tu peux aussi faire les devoirs. On va laisser faire les devoirs. Elle fait son dessin. Elle fait son écriture. Enfin, son dessin, sa peinture. Voilà. Et attendez, j'oublie tout le temps ces derniers temps de faire reproduire les grenouilles. Parce que mine de rien, voilà, ça fait quand même pas mal de grenouilles ensuite. Ah. Ça fait popo dans la culotte. C'est pas grave. Chouiner un petit peu. Voilà. Et ça, on va l'enlever. Je sais pas pourquoi, elle a une manie. Ah non, on peut pas, c'est des graines. Je sais plus, c'était une assiette. Rien à voir. Ok, qui finira plus tôt? Elle va finir plus tôt, je pense. Changer de couche. Changer la couche sale. Vendre un collectionneur. Voilà, il s'est rendormi. Ils ont fini les devoirs? Ah, quelqu'un l'appelle. Appel entrant. Bah écoute, prends l'appel. Appel pour discuter, répondre. Bah ouais, vas-y, réponds. C'est ton fils quand même. C'est ton fils. Est-ce que lui, il peut s'occuper du bébé? Ouais, il peut babiller. Bah, il va aller babiller. Alors, prendre un bain. Va prendre un bain. Va prendre des restes en regardant la télé. Ah, bah il est venu, Angelo. En regardant la télé, bah tiens, toi tu peux... Non, non, on va pas dormir. D'abord, va... Y'a Angelo qui attend. Angelo, invité à entrer, voilà. Invite au moins ton frère à entrer. Après, si tu peux aller te coucher, y'a pas de soucis. Ça me dérange pas. Écoute, va dormir. Alors, lui, il est plutôt pas mal. On va acheter les projets scolaires. Ça, on les aura déjà achetés. Les projets scolaires, en fait, normalement, ils les ramènent à la maison de temps en temps. Mais vous pouvez très bien les acheter dans le shop et enfin dans la boutique. Et ça permet d'augmenter les notes plus rapidement des enfants. Donc on peut leur faire faire les devoirs à un certain niveau. Après, on peut leur demander de faire des devoirs supplémentaires. Moi, j'ai pas pu le faire, ça encore. Je vais pas encore le faire. Enfin, vendredi, j'ai pas pu le faire. Enfin, vendredi, jeudi soir dans le game. Mais voilà, ça accélère. Faire expert. Alors attendez, parce que ici on en avait fait, ce serait bien de faire. Alors ça, médiéval électrique, on a déjà fait. Fusée à pression, ça on peut le faire. Alors on les met dehors parce qu'on n'a pas de place. Oui, ça fait très. Voilà, mais pourquoi pas. Et robotique, bah écoutez. On va les mettre là, voilà. Donc là,
Excusez-moi, j'ai l'œil qui me gratte. C'est parti. Bah, il y en a un qui peut, l'autre il est un petit peu dans le bad. Bah, écoutez, commencez à travailler soigneusement. Et quant à lui, il est vraiment pas bien. Donc, on va le laisser un petit peu se reprendre en main, hein, si je puis dire. Bonjour. Les bébés, ils dorment. Ouais, c'est parfait, ils dorment. Et du coup, on va lui demander d'aller jouer pour le divertissement. Ça sera plus rapide. Bah, monsieur Angelo, là, on laisse l'ordinateur à la maman, voyons. Niveau 2 de la compétence mentale. Je pense qu'il faut avoir de la compétence mentale pour pouvoir faire plus de devoirs, les devoirs supplémentaires. Ça doit être ça. On va mettre ça au frigo. Ok. Il mange et regarde la télé en même temps, techniquement. Qui est-ce? Salim Ben Ali. Attendez. Est-ce que c'est le papa d'un enfant ou pas? Oui, je pense que c'est les papas des deux derniers. Les deux derniers jumeaux. Invité à entrer. Et puis après, tu peux aller dormir. Quoique, il y a un bébé qui pleure. En fait, je suis tellement habituée aux cris des... Enfin, aux pleurs des bébés. Que je me rends même plus compte, en fait. Quand ils pleurent vraiment, les pauvres, quoi. Changer la couche sale. Changer la couche sale. Nourrir au biberon. Nourrir au biberon. Prendre des restes. Moi? Quoi? Elle te nourrit? Et tu n'es pas content? C'est qui? C'est Olive ou Olivier? C'est Olivier. Non mais sérieusement, les garçons. Et... Alors par contre, lui... Est-ce qu'il est toujours dans le... Non, il a envie de dormir. On va lui demander d'arrêter. On va lui demander de... Bah écoute, va vite fait jouer à l'ordinateur. Va jouer à attaque arithmétique. C'est très bien. En plus, si ça augmente ses notes, ça sera tout aussi bien. Ensuite, tu pourras aller dormir. Quant à elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fini? Oui, t'as fini, c'est très... Oula, Angel a vieilli. Oh mince! Elle a atteint la quarantaine, il y avait marqué, je crois. Eh ben, dis donc, madame. On se fait vieille, hein? Elle vieillit dans combien de temps? Parce qu'après, dans 24 jours... Ça veut dire que dans 24 jours, elle pourra plus avoir d'enfant. Et il va falloir repasser le flambeau, comme dirais-je. Ok. Là, ça a l'air d'aller ici. Le problème, c'est que 24 jours, en fait, Angela, elle est encore là, certes. Mais là, on est en train de faire que des garçons. Oh non, faut appeler l'électricien. Faut appeler l'électricien, l'ordinateur, j'en ai vraiment besoin. Je dois vraiment y aller, c'était très sympa. À plus, bah à plus, hein. À plus dans le bus, comme on dit. On va appeler un électricien. C'est dans les services ici, je pense. Acheter un service. La fille, elle appelle à minuit 57. Oui, bonjour, j'ai besoin. Festition, je viens de finir. De par un chef-d'œuvre, super. Service de réparation. Super, vendre à une garida. Yes. En plus avec l'arrivée hein, du monsieur qui va réparer les appareils électroniques, va falloir mettre de l'argent quand même. Et c'est pas gratuit. Même en vrai, hein, c'est pas, ça coûte cher quand même. Hein. Bah toi, va t'occuper en attendant, change la couche. Voilà. Nous sommes réparés en ordre et temps pour moi de m'en aller. Cela fait 109 simouflouzes. Elle va les bercer. Est-ce qu'elle peut continuer? Est-ce qu'elle avait fini déjà son livre? Prendre un éditeur. Non, elle avait fini, mais elle l'avait pas envoyé. Hop. Et on va recommencer à écrire un livre du genre scénario. Voilà, pourquoi pas. Volonté de blesser. Un scénario, lol. Volonté de blesser, c'est assez dramatique hein, comme scénario. Là. Ça dort, c'est plutôt cool. On va les réveiller, on va les... Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Un petit peu.
partager un secret, parler des rêves. Otis River a l'impression qu'ils ont fait une course ou je sais pas quoi, un marathon de l'espace. On laisse tendrement son frère, son chou. Ils sont pas du même père, mais ils se ressemblent quand même pas mal. Hein. Ils se ressemblent plutôt pas mal. Ok. Présenter sur les bandes dessinées. Parler de l'école. Prendre une photo ensemble. Jouer à faire semblant. Parler de l'école, voilà, ça sera déjà pas mal. Après, faudra faire les devoirs, enfin les projets scolaires, parce que les devoirs sont faits. Et est-ce qu'on peut faire des devoirs supplémentaires? Non, pas pour lui en tout cas. Et pour lui non plus, donc vous voyez, je peux toujours pas faire les devoirs supplémentaires. Alors, vu que toi t'es bien, aide pour le projet, non? Donc du coup, tu commenceras ton propre projet scolaire. Commencer à travailler soigneusement. Ah, bébé pleure. Bébé pleure. Est-ce que quelqu'un peut s'en occuper dans cette maison? On va laisser un petit peu chuner alors. C'est pas grave. Pas que lui. Allez, babillé. Allez, va aux toilettes. Va prendre une douche. Et va prendre des restes. Tant pis, bébé pleurera, c'est pas grave. Dans son baby challenge, il faut qu'on s'y habitue. Hein. De toute façon, les bébés vont pleurer. Ok, on va se réveiller là. On va se réveiller. Soit tu vas changer la couche sale. Tu vas nourrir au biberon. Et tu vas nourrir au biberon. Voilà. Eux, ils s'aiment bien. Là, est-ce que ça passe? Est-ce qu'il est content, le bébé? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Voilà, pour une fois, il est content. Encore? Galerie d'art? Allez, fais une toile confiante, c'est bien. Ça fait gagner de l'argent, bientôt on va pouvoir réinvestir dans du nouveau matos. Peut-être faire la cuisine cette fois-ci, parce que la cuisine, elle fait quand même pitié. Comparé au reste de la maison, là, avec le sol en marbre qu'on a mis, ça fait tellement classe, ça fait genre un petit peu maison de riche. Et au final, tu vas dans la cuisine, tu te dis, what, c'est quoi ça? Il y a un problème de période dans le temps, là. On est dans les années 50, et là, on est dans les années 2050. Non, mais ça passe pas. Ok. Qu'est-ce qu'il faut? Il est triste. Mais pourquoi il est triste? Un nouveau membre de la famille. Rencontre un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Pierre ne voulait pas d'un nouveau frère ou d'une nouvelle sœur. Cette rencontre l'a mis en larmes. Ah, mais t'es pas gentil, toi. Non. Va pas le laver. Va pas le laver. Moi, ça me fait de l'argent. Voilà. Non, tu ne vas pas aller dormir. Est-ce qu'il peut faire son projet même s'il est triste? Travaille soigneusement. Ouais, bah va faire ton projet, ça te changera les idées. C'est pas bien grave, t'inquiète pas. Et quant à toi, elle a fini d'écrire déjà? Bah écoutez, elle a fini d'écrire. On va faire ça, on va faire reproduire les petites grenouilles. On va lui demander d'aller se coucher, elle va se reposer. Oh, mais tu t'es déjà chié dans la couche, c'est pas possible. Allez, on va aller s'en occuper. Ok, il s'est rendormi. Bon, je sais qu'elle a faim, mais je profite qu'elle soit inspirée pour recommencer une toile encore. Là, est-ce qu'ils ont bientôt fini? Je crois que lui, il va bientôt... il avait déjà commencé avant. Le cas de la compétence faculté mentale, c'est pas mal. C'est pas mal. Rapport de droit d'auteur, combien? Pas mal hein, quand même, ça commence, la liste commence à être longue. Bon, c'est bientôt l'anniversaire d'Olivier. C'est bientôt l'anniversaire d'Olivier, c'est bientôt l'anniversaire d'Olive. Olive et Tom, ils sont toujours ensemble. Tom, Olivier. Non, je crois que c'est Olive et Tom, en fait, après c'est Olive et Tom, et après c'est Tom, Olivier. C'est pas Tom, Olive. Donc en fait, il s'appelait pas Olive, il s'appelait Olivier, je crois. Je sais pas. Il faudrait que j'aille me renseigner. Ah, elle va changer sa couche. Non, c'est pas la couche. Servir le brunch. Des sandwichs BLT. La responsabilité de Julien est compatible avec l'obtention du trait de caractère responsable. Ok, de toute façon, c'est pas moi qui choisis. Hein. C'est bien de me conseiller, mais ce n'est pas moi qui choisis au final. Je ne choisis point au final.
Mais les gens qui passent ici doivent se dire, mais c'est quoi ces enfants qui jouent dehors? Ils sont bien studieux quand même, hein. Il a terminé son projet scolaire rapidement. Une meilleure note lui a donc été attribuée. Et si on va là-dedans, est-ce qu'il est passé? Non. Il n'a pas encore passé de C à B, mais je pense que quand il ira à l'école, il aura une meilleure note. Il a besoin de divertissement. Est-ce qu'il peut pas changer de couche encore à son âge, non? Ok, les deux ont fini. On va lui demander de jouer à attaque arithmétique hein, pendant qu'on y est. Quant à toi, lui aussi, hein, c'est direction toilette, direction bouffe et direction je m'amuse. À la poupée. Bon, je lui ai marqué à la poupée, mais autant ça dérange pas pour les garçons, parce que ça fait genre un peu féerique, fantasy, c'est pas vraiment poupée-poupée, quoi. Comme on pourrait le croire. Une fois que t'as fini de manger, tu vas peut-être t'occuper de changer la couche sale. Je me demande si je veux venir chez lui. Absolument pas. No way. No way. Prendre des restes. Et puis écrire un livre du genre. Bah encore scénario, tiens. Bah toi, je pense que c'est bon. Il est embarrassé, mais pourquoi? Travail bâclé. Bâcler un projet scolaire donne un résultat plus qu'aléatoire. Ah, ça sent pas bon alors s'il a, il a pas fait un bon truc. Mais bon, j'ai pas envie non plus de les bassiner et de faire 36 projets scolaires dans le week-end. Limite, on en refera un le dimanche. Mais voilà, je veux pas non plus abuser, parce qu'après ça fait trop surhumain, ça fait trop trop usine quoi, usine à enfant quoi, usine à bébé. Tiens, va dormir. T'as lui, il a besoin de divertissement, bah écoute... Ah non, je lui ai déjà demandé d'aller jouer à la poupée. Elle est fatiguée elle aussi. Bah écoute, dors hein, dors complètement, t'inquiète. Tu peux te le permettre, hein. Non, non, tu nettoies pas, je m'en occupe. Il n'y a pas de souci. Inventaire, parfait. Souviens-toi, la pause déjeuner. Non, mais c'est quoi ces scénarios trop chelous que le jeu il te propose? Trop drôle. Après, quand elle se réveillera, ce sera utilisé. Et. Bon. Ça veut dire qu'il va faire bientôt dans son froc. Celui-ci dort. Celui-ci, il devrait aller dormir. Il est fatigué. La maman. Tu as 2, 4, 6. Ça veut dire que là, si elle tombe enceinte, elle pourrait uniquement faire 2 bébés. Et pas 3. Bah, c'est pas plus mal en vrai. 2 par 2, ça passe aussi. Vous savez, là, c'est ses chaussures 2 par 2. Elle savait faire des bébés 2 par 2. Hashtag Franklin, bonjour. Ouais bien, écoutez, sur cette belle fin, ça va, c'est pas trop l'anarchie, ça passe. Bon, les bébés qui pleurent, on s'y habitue. Mais sur cette belle fin, écoutez, bah, on va se laisser là pour cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Je vous fais en attendant de très gros bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.